Bonjour, est-ce que vous m'entendez ou pas? Est-ce que le son est bien le son de mon d'ailleurs de mon micro? Ça pourrait être sympa que ce soit, vu que je me suis fait chier à porter un micro. Peut-être vous êtes en train de répondre sur le chat, mais là non, ça marche. Yes. Test, test, test. Est-ce que vous entendez quelque chose ou pas? Non. Ça a l'air d'être trop bas. Oh, j'aurais dû faire des tests avant. Mais je préfère faire un peu les trucs au dernier moment, c'est plus sympa. Attendez, je réfléchis. Propriété audio avancée. Est-ce que je peux rajouter des dB? Je rajoute des dB là. Ça fait pas grand-chose. Attendez. Ah non, ça rajoute rien en fait. C'est débile. Et si je fais ça? Est-ce que vous m'entendez ou pas? C'est trop faible? Est-ce que c'est faible ou pas? Vous m'entendez moins bien? Son trop bas. Le son est beaucoup trop bas. Mon son est nul à chier. Comment faire? Comment faire? Oh attends, je vais faire un autre truc. Comme ça c'est bien. Quand je fais du coaching Twitch, je dis toujours, surtout, prépare à rien techniquement pour que ce soit un peu dégueulasse. Parce que les gens aiment bien voir les coulisses. Mais là j'exagère un peu quand même. Alors le microphone, c'est parti. Propriété et niveau. Voilà. Voilà, on est bien là. Attendez, on va un peu régler, sinon c'est trop fort. Voilà. Qu'est-ce que vous dites là? Ça va ou pas? C'est bien? Ah putain, j'ai lancé Mozilla. Rip vos oreilles. Désolé. Alors, c'est bien là? Vous avez vu la qualité de ce son? Est-ce que vous avez passé une bonne journée, les loulous? Comment vous allez? Vous avez perdu vos tympans? Mais à quoi? De toute façon, l'audition, franchement, ça sert à quelque chose? Quoique, je dois dire que parfois, écouter des choses, ça m'apporte tellement de bonheur que je me dis que si un jour je suis aveugle, finalement, je pourrais entendre encore des trucs et ça peut être cool. Amazing Bloodfish, c'est un Québécois. Attendez. Ah! Putain, un moustique, sans déconner. Sans déconner, en décembre. Ah, ça sature encore. Bah, attendez, il faut le dire. Je désature. Il n'y a qu'à demander. Hop. Attendez. Hop. 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 Voilà. Non, non, ça devrait plus saturer. Ça devrait être coolos. Coolos. Ce serait vraiment cool de plus voir ton zizi. Pourquoi tu dis ça? Vous voyez mon pénis là en ce moment? Je comprends pas. Pas d'audition. Ah oui, c'est ce que tu veux dire. Il fait encore ouin ouin pour ses yeux. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas parlé de mes yeux. J'ai pas dit que je devenais aveugle. J'ai dit que j'ai un problème d'œil qui est assez courant, je vous signale. Donc voilà. Par contre, effectivement, je vous ai parlé des différentes opérations qui sont pas cool. Ouais. Bah ça, sirop, il y a des moustiques partout. Hein. C'est la fin du monde en fait. La Garonne et la Loire sont à sec. Il y a des gens qui se trimballent dans la rue avec des petits gongs en disant il fait trop chaud, on est en train de mourir. Donc voilà. J'ai absolument pas préparé ce stream parce que je me suis dit, je suis un peu comme Daz en mode Daz. Daz, sans déconner, dans des studios 404, il nous a fait. Genre, il arrivait avec une chronique pas écrite, en fait. Vous savez, il la mettait sur son iPad et on pouvait pas vraiment la voir. En fait, elle était pas écrite. Et il dit, moi, je préfère être plus naturel. J'aime bien pas écrire les chroniques, ça me fait plus naturel. C'est plus naturel. Et là, alors, il est sur un petit nuage. Il était sur un petit nuage avec Quête Latérale, parce que Quête Latérale, c'est Ken. Et Ken, il fait une très bonne animation, hein. Il est hyper bon, mais Ken, il vérifie pas les chroniques en amont. Alors je peux dire qu'il y en a un qui est très content, c'est Daz. Voilà. Donc, salut Gigo Dagno, et ben écoute, bienvenue, bienvenue. Ouais, aujourd'hui j'ai fait deux choses. Déjà, je me suis levé tôt. Je vais vous dire à quelle heure j'ai mis mon réveil. J'ai mis mon réveil à 8 h du matin. Et je peux vous dire, ça a été très très dur psychologiquement pour moi. Et sachez que demain, j'ai un réveil à 6 h du matin. D'ailleurs, alors je vous signale un truc. Je peux pas vous dire encore pourquoi, mais il y a des changements dans ma vie. Donc, je me suis auto-baisé. Pourquoi? Parce que vous savez que je faisais du gros sacking jusqu'à présent. Et d'ailleurs, j'avais marqué là.
Je crois que c'est ça. Je l'avais marqué. Non, j'avais marqué là. J'avais marqué. Non, si, je l'avais marqué là. Donc là, j'avais mis. Là, lol, je suis en train de vous gros saquer les nuls. Les nullos. Et là, j'ai mis fini le gros sacking. Pourquoi? Parce que. Parce que. Bah en fait, je suis en train de reconsidérer ma vie sur plusieurs aspects. Voilà. Parce que vous savez, 2021, quand une année nouvelle commence, eh ben, on se dit, on fait des nouvelles choses. Et donc, si ça tenait qu'à moi, si on était genre en août, je dirais, bon, je vais arrêter le stream. Mais là, je suis auto-baisé parce que je fais du stream et en fait, ça me fait du bien de faire du stream, de vous parler, de vous rencontrer tous les soirs, Roshi, Happy Meal, Vilaine, etc. Et donc, en vrai, je suis obligé de continuer en fait. J'ai décidé d'être sincère. N'exagérons pas non plus. Mais tu vois, limite, j'ai jamais eu aussi peu envie de faire du gros sacking et j'ai limite envie de m'acheter un fond vert, aïe, tu vois. Donc, ouais, alors, Roshi, t'es pas loin en faisant. Je vais refaire du jeu vidéo parce que j'ai une idée. Alors, je vais vous parler de ma journée, mais j'ai une idée. En fait, j'ai téléchargé Control. Vous voyez ce que c'est, Control ou pas? Control. Je vais pas vous spoiler parce que j'ai joué pas longtemps. Donc, Control, c'est un jeu qui est gratuit sur le Game Pass. Je commence à jouer à ce putain de jeu. Il est bien. Ouais, déjà, il est beau. Tu vois, y a un vrai. C'est un jeu scandinave. Il y a un vrai design scandinave du jeu. Tu vois. Il y a une architecture brutaliste. Il y a un thème qui est bon. Il y a une montée de l'intrigue qui est pas mal. Même si je sens que je vais me faire baiser comme dans Alan Wake. Tu vois. Alan Wake, je vous dis, c'est un peu le syndrome X-File où tu as une histoire qui monte. Tu as un gameplay débile. Et à la fin, c'est pas. Et tout ceci n'était qu'un rêve, mais pas loin, tu vois. Donc je sais que je vais me faire baiser, mais si tu veux, comme le disait un de mes partenaires en affaires il y a quelque temps, tu peux m'enculer, mais embrasse-moi d'abord, tu vois. En affaires, tu vois. Et je dois dire que Control, il m'embrasse bien. Il est plutôt gentil. Et il est plutôt beau, mais il s'est passé un truc, c'est que je commence à jouer à Control. Donc imaginez un jeu design beau, intéressant, bien amené, lip-sync dégueulasse, mais c'est une anecdote. Et tout d'un coup, le jeu commence. D'ailleurs, après une séquence d'introduction un petit peu longue, tout ça, le jeu commence. Et le cœur du gameplay, c'est un pistolet et tu dois tirer sur des bonhommes. Et là, j'ai dit, mais les gars, vous avez créé un univers ultra intéressant. Vous avez un boulevard pour faire un jeu unique au monde. Et tout ce que je dois faire, c'est tuer des mecs. Mais pourquoi? Et pourquoi? Je ne comprends pas. Ça ne, enfin, je ne comprends pas. Tu vois, je ne, ça me, enfin, tu vois, c'est tellement dommage. C'est exactement comme si on disait, mec, je vais te montrer les chutes du Niagara, et tu vas dans la ville de Niagara, j'imagine, et au lieu de voir les chutes du Niagara, tu rentres dans un hôtel et tu regardes à la télé les chutes du Niagara. Mais pourquoi? 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 Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous prend? Et non, j'ai pas du tout aimé. Et il sature le micro, il sature. Le micro sature! Comment je pourrais désaturer le micro? Attendez. Comment pourrais-je désaturer le micro? Je sais pas. Vous savez quoi? Je vais basculer sur l'autre micro et comme ça on arrête de se faire chier. Ce sera un micro moins bien et on arrêtera de faire chier les gens. Propriété. Voilà. Attendez, si je fais ça, est-ce que vous m'entendez? Et là, comme ça, papa. Bon, on sait pas. On sait pas. Dites-moi, est-ce que le son est meilleur? Est-ce que ça sature autant? C'est mieux ou pas? Ouais, ça résonne un peu, mais bon, au moins ça sature pas. Ouais, donc ce que je donc en fait, ouais, c'était la déception. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je devrais me poser, je devrais prendre 2 minutes et je devrais faire. C'est intéressant le processus de création, donc je vais vous montrer un petit peu. Donc je vais me poser et je vais faire un générateur d'entités extra, de plan astral, un générateur bien fichu.
Et je vais faire en sorte, je vais faire un système de gestion à la XCOM dans lequel on est bureau d'une agence, on est chef d'une agence genre FBI, et on a des affaires qui apparaissent, genre enfants disparus, Hamelin, comment s'appelle, tentacules découverts dans les égouts de Shanghai, tout ça, hop, ça a découvert, t'envoies des agents, ils enquêtent, j'ai même une idée, tiens, on pourrait faire des enquêtes procédurales, avec des décisions à prendre, ça pourrait être facile à faire. Et après, tu stockes des pouvoirs. Si tu échoues les enquêtes, ça enlève un pourcentage à la stabilité du monde. Bon, voilà, enfin, les choses se faisaient vraiment naturellement. Et je me suis dit, pourquoi me faire chier en fait? Pourquoi faire un jeu comme ça? Et je me suis rappelé que, en fait, alors, figurez-vous que j'ai travaillé avec la 20th Century Fox il y a 4-5 ans. Maintenant, je peux en parler. Et notamment dans mes faits d'armes, d'ailleurs, je pourrais m'en vanter un peu plus de ces derniers temps, c'est que j'ai soumis un scénario à Ridley Scott qui l'a approuvé. Donc voilà, moi ça m'est arrivé. Mais entre autres licences sur lesquelles j'ai travaillé, j'ai proposé un jeu X-Files, hein, donc c'était pas mal. Et le jeu X-Files, c'était cool parce que l'idée, c'était non pas de faire un visual novel où t'es Mulder et Scully. Et tu vas faire une enquête, tu vois, préécrite, bien chiadée. Mais c'était au contraire de faire à l'infini des enquêtes qui seraient procédurales. C'est-à-dire, tu vas. En fait, parce que j'avais acheté un gros bouquin sur X-Files, d'ailleurs, qui doit être encore à la maison. Et en gros, l'idée de ce gros bouquin, c'est. Quand tu regardes X-Files, en gros, les épisodes, c'est toujours le même truc. C'est un événement, enfin, les fillers, c'était pas l'air principal, mais les fillers, c'était. T'as un événement mystérieux, genre. On observe des lumières dans le ciel et un crime arrive, donc quelqu'un disparaît. L'inspecteur Mulder et Scully sont dépêchés sur place. Ils enquêtent des gens, ils accumulent des indices, ils émettent des hypothèses. Mulder dit c'est le paranormal, Scully dit pas du tout. Et il y a des indices qui sont plus ou moins de forces différentes et qui permettent de s'entasser. Et en gros, X-Files disait toujours, elle est toujours vers la solution paranormale. Et là, ça aurait été intéressant que si on a des indices qui confirment la voie non paranormale, que ce soit pas du paranormal de temps en temps. Je voulais donner cette dimension-là. Donc, du coup, c'est assez facile à faire en fait. Et donc, je me suis dit, je pourrais exhumer ça, mais à quoi bon, fatigué pour faire tout ça? Et là, je me suis dit récemment, tiens. En fait, il y a des sociétés de production audiovisuelle qui ont ouvert des départements de nouvelles écritures. Donc, en gros, c'est comment faire de la production pour TikTok. Et là, je me suis dit, ce serait cool de faire la chose suivante, de faire une série. Je pense que je vais pitcher ça ce week-end. Alors, je vous dis pas les détails parce que je préfère le pitcher et l'envoyer comme ça. Avant de vous dire tous les détails, mais je vous donne l'esprit du truc. C'est que imaginez une série genre X-Files, mais ce sera pas X-Files, mais imaginez un X-Files, et ce serait une série télé qui serait composée d'un seul épisode. Et cet unique épisode, en fait, à chaque fois que vous le regardez, il est différent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire un peu comme une histoire procédurale. Et je pense que c'est méga faisable en fait. C'est méga faisable, et parce que là en ce moment je travaille aussi sur de l'audiovisuel interactif. Et je m'aperçois que les gens qui font de l'audiovisuel interactif, tous les gens que je rencontre, après peut-être j'ai rencontré de mauvaises personnes, mais tous les gens que je rencontre en fait, ils mettent le mot interactif pour avoir le budget, mais ils en ont rien à branler de l'interactif, ils n'ont aucune notion. En fait ils sont là pour faire leur série quoi. Donc. Non, non, pas d'un point de vue différent. Non, non, pas de Bandersnatch du tout. Imagine une série. Par exemple, au début, t'as Mulder et Scully sont dans une voiture. Tu regardes la série une première fois. Et dans cette série. En fait, c'est une série. Elle n'est pas interactive. Donc, c'est pas Bandersnatch. Tu regardes cet épisode. Et dans cet épisode, t'as Mulder et Scully. Mulder, il dit, ah, on va à Melun. Putain, il se passe un truc. Et Scully dit, ouais, je suis sûr que c'est. Voilà. Les deux agents du FBI. Tu relances. C'est la même scène, mais là t'as Mulder qui dit ah je vais aller à Melun parce que je vais voir ma petite nièce, elle a son anniversaire. Et vous êtes qui? Je vous ai pris en autostop, mais après tout on s'est pas présenté. Voilà. Donc en fait on a la même scène, mais avec dedans un contenu différent. Voilà. C'est assez facile à faire en fait.
je vais essayer de pitcher ça. Donc à voir. Non, non, je veux pas rendre ça interactif. En fait, l'interactivité, enfin comment dire? En fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est plutôt de l'écriture non linéaire. Voilà, plutôt qu'interactif. L'interactivité, c'est qu'un des aspects de l'écriture non linéaire. Voilà. Donc, est-ce que Scully appelle Internet? T'as vu une histoire sans fin? Non, ça pourrait être cool. Bon, bref, en tout cas, le projet est en train de prendre forme. Et surtout, ce que je vais faire, je pense, ce week-end, c'est que je vais essayer d'en faire un prototype fonctionnel. C'est-à-dire, en fait, ce serait facile, ce serait l'idéal pour faire ce type de série télé. Là où ce serait la mine d'or, c'est si j'arrive à coder un truc qui permette de faire ça, de faire des structures comme ça à la volée. Je vois le truc dans ma tête, en fait. Donc ça va se faire. Bref. Non, 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 je change pas les sous-titres à chaque épisode. Non, non, ça marche pas tout à fait comme ça. Mais en tout cas, voilà. Ouais, c'est un peu ça. Jouer un épisode de série au hasard, ça pourrait être ça. Mais l'idée, c'est que, imaginez, par exemple, imaginez, pas les feux de l'amour, mais voilà, je vais vous dire autre chose. Je sais pas si, est-ce que vous consommez des, enfin, j'ai déjà parlé des films de Noël, mais voilà, voilà, je veux dire un autre truc. Vous êtes, imaginez Star Trek. Vous aimez bien Star Trek. En Star Trek, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'Enterprise, Kirk et Spock, et il y a une abîme de l'espace, où il y a une planète, et ils vont sur la planète, ils se téléportent, t'as un mec qui meurt, tu vois. Mais en gros, enfin, je vous mets au défi de me raconter un épisode de Star Trek, en fait, un filler. Et on pourrait imaginer ça, c'est-à-dire on fait un épisode de Star Trek, et en fait, à chaque fois, il change. Il a 1 million de variations. Ce qui fait que tu peux dire, tiens, j'ai envie de regarder Star Trek ce soir, et tu lances ton épisode. Il sera différent. Voilà. Donc, bref. C'est ça, c'est pour vous dire. Je réfléchis un petit peu à ça. Non, Ale, c'est autre chose, mais c'est cool. Mais. Alors, sinon, ce matin, donc je me suis levé à 8h. Je suis allé à Malakoff. Dans une école qui s'appelle l'école des métiers du cinéma. Mais en fait, c'était une mission pour Sorbonne Nouvelle. Et j'ai été interviewé sur les métiers. Les métiers de la fiction, du scénarisme, des scénarios, tout ça. Et on m'a posé la question suivante, que je vais vous poser. Bon, on m'a posé des questions pertinentes. On m'a posé des questions pertinentes comme faut faire quoi pour devenir scénariste? Je trouve ça intéressant. Mais surtout que je suis pas scénariste. on m'a. Comment ça s'appelle? Est-ce qu'il vaut mieux, alors je vous pose, et on m'a posé, on m'a aussi des, on m'a aussi des, on m'a, excusez, ah, on m'a aussi posé des questions du style, est-ce qu'il vaut mieux écrire le scénario d'un projet qu'on aime ou répondre à un appel d'offres d'un client? Bref, première question qu'on m'a posée, c'est quel univers musical vous plaît, quel univers musical vous plaît le plus? Voilà. Sachant que la personne qui était avec moi, il a dit Nine Inch Nails. Donc, est-ce que vous avez un univers musical qui vous plairait? Moi, j'ai parlé de paysage génératif. Je sais pas très bien. J'ai pas trop de culture musicale. Cyndi Lauper, Tchernobog? Girls just wanna have fun. Woodkid, putain, Junko, ben, pertinent. Et Pink Floyd aussi, c'est pertinent. Bravo, hein. Les deux bonnes. Les chansons Disney, allez, pourquoi pas. Chaka Punk, alors, moi, les mecs qui aiment Chaka Punk, ben, c'est des punks à chien, mais c'est vrai que c'est une bonne réponse, c'est un bel univers musical. J'étais avec un mec qui s'appelle pas Kapersky, mais un truc comme ça. Kevin. C'était un scénariste de comics et qui faisait de l'animation, je suis désolé. Et Phoenix, Bob Dylan. Bob Dylan, ça me dit quelque chose, Bob Dylan. Gojira, Starmania. Ah! La musique qui évoque de l'eau. Hey, Massive Attack. Massive Attack, c'est un bon plan, c'est la bonne musique love, tu vois. T'es avec quelqu'un,
Et t'as envie de lui faire des bisous et après de faire l'amour sans avoir à changer la playlist, je pense que tu peux faire du Massive Attack. Ça masse bien. C'est avec Chaka Ponk. Chaka Ponk, c'est les punks à chien les plus. Chaka Ponk, ils nous mettent leur gros singe tout le temps là. Ils sont. Ouais, teardrop, ouais. Ah là là. Ah, les Chaka Ponkos là, ils sont. Comment dire? Ils se rebellent. Arrêtez. Écoutez. J'écoute du Chaka Ponk. Je crois que je dois avoir un Chaka Ponk dans ma playlist. Mais regardons-nous, les Chaka Ponkiens. Regardons-nous. Voilà. C'est horrible, leur mascotte de Mega Drive, c'est sûr. C'est pas que c'est naze. Non, c'est pas infâme. C'est juste que c'est un truc de teufeur, quoi. C'est un truc, je sais pas. Je suis désolé, Gigot d'agneau. Je sais que c'est ta première, mais je veux dire, tu portes un treillis, tu te laves pas, t'aimes les chiens. Ben voilà, t'écoutes Chaka Ponk. C'est tout ce que j'ai à dire. Nos futurs, tu vois. En plus, ouais, c'est pas naze. Arrêtez, on s'engueule pas. Alors, sinon, il y avait une autre question. C'est quoi votre film préféré, tout simplement. Non, plutôt en fait votre scénario de film préféré. Voilà. Gorillaz. Sorcereur, putain, il est beau ce film, putain. Oh, il y a un, comment s'appelle? J'avais fait un stream, j'avais montré un trailer de Sorcereur tellement beau. Avatar. C'est dur hein, de dire mon meilleur film. Et Jadam 11, je suis content de te rencontrer parce que on s'est jamais vu. Et t'es le premier mec ever de toute la planète et je pensais que t'existais pas. Que quand je lui dis c'est quoi ton film préféré, il répond Avatar. C'est-à-dire vraiment, je pensais pas que ça existait, je pensais pas que quelqu'un pourrait répondre ça, sauf quelqu'un qui n'aurait vu que Avatar par exemple. Mais ah Diabis, le retour du roi. Why not? Requiem for a Dream, ouais, c'est pour les gens qui écoutent Mylène Farmer et qui ont envie de se pendre, en fait, c'est ça. Chaka Ponk. Attends, là, tu sais quoi? J'angoisse. Ah oh, putain, Tchernobog, Pacific Rim, ouais. J'angoisse un peu de tous les mecs qui aiment Chaka Ponk qui vont regarder la vidéo YouTube. J'ai même pas envie de mettre la vidéo YouTube, quoi. Mais les enfants loups. Team Mylène Farmer versus les Chaka Ponkistes. Non mais Chaka Ponk c'est pas mal hein, mais c'est pas mal. Mais en vrai, écoute, je vais te dire. Moi j'écoute Thunderdome, tu vois. J'écoute la musique par la caissière du casino là. Comment ça s'appelle? Too Unlimited. Voilà. J'écoute Too Unlimited, j'écoute de l'Eurodance de bas étage, donc Chaka Ponk forcément c'est meilleur, mais bon. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, alors c'est un beau film, mais on se fait un peu chier, on est d'accord. On se fait un petit peu chier, hein. Il se passe pas grand-chose. À moi, Farmer, je trouve pas ça naze parce que ça m'évoque des sentiments, mais pas des sentiments positifs. Chaka Ponk. Prochain stream, ça va s'appeler Chaka Ponk. J'aime pas Chaka Ponk. Le script de Saw est ouf. Mais savais-tu, Peinture Luc, que Saw, c'est un plagiat d'un film français qui s'appelle Pac-Man, figure-toi. Le château dans le ciel, c'est mignon ça. Alors, le château dans le ciel, c'était un peu mon favorite film. Et je l'ai re-regardé récemment et on s'est un peu chié. Je suis vénère ce soir. Hey, The Thing, c'est cool. The Thing, ah, Gigot, pauvre Gigot d'agneau. Il s'est fait bolosser. Ocean Eleven, c'est pas mal. Non, ça s'écrit Pac-Man, Paque, plus loin, enfin, comme le Pac, et Man, pourquoi? C'est un film français dans lequel t'as un mec qui se fait virer. Il travaille dans une usine de Kinder. Et en fait, alors, c'est un peu gore, hein, je vous le dis, mais en gros, c'est comme dans Saw, c'est-à-dire qu'il capture son patron et il lui met une bombe dans le corps. Mais cette bombe, elle est dans un petit, ou je sais pas quoi, où il y a une clé pour s'en sortir. Et elle est dans un petit œuf qui est dans un corps et il a mis plein de petits œufs. Voilà. Donc, il faut que, voilà, il faut qu'il.
Comment je connais ce film? Bah écoute, j'ai. Ah non, non, Pac-Man, ça existe vraiment, mais ne le regardez pas. Ça existe vraiment. C'est comme, par exemple, Maman, j'ai raté l'avion. C'est un mix de deux œuvres françaises. Le premier, c'est un livre qui s'appelle Drôle de samedi soir de Claude Clotz, qui est vraiment un super livre. Et également 3615 Code Père Noël, qui est vraiment un film assez incroyable, mais par contre il a un peu, c'est un peu limite film d'horreur, c'est-à-dire que c'est un Père Noël cambrioleur, mais genre ivrogne et fou et violeur qui rentre dans une maison, et le gamin il va se défendre et genre avec un fusil, donc c'est un autre délire, mais nous la France on fait tous les jours les trucs un peu hardcore, voilà, donc bref, donc 3615 Père Noël. Bref, mais il y a un truc qui est cool dans 3615 Père Noël que je vous invite à pas regarder, c'est un film d'horreur, c'est que la photo elle est belle. En fait, comme toujours, tu vois, le problème c'est que les gens qui aiment les réels de films d'horreur, je pense à John Carpenter par exemple, ce sont des mecs qui savent très bien raconter les histoires, parce que raconter une histoire d'horreur c'est quand même très compliqué, et ils savent, ils ont des images qui sont toujours magnifiques. C'est vraiment. Et tu vois, en plus, c'est des images qui hurlent pas, donne-moi un Oscar, donne-moi un Oscar, mec. C'est juste une histoire, une image qui est belle, tu vois. Et ça j'aime bien. Et dommage que je déteste les films d'horreur, j'aime pas avoir peur parce que sinon, j'adorerais, quoi. Bah, tu vois, l'une virtuelle, c'est marrant. Alors, je sais pas quel acheteur, tu dis Carpenter, c'est haut du panier. Carpenter, moi, ça passait à une époque, je crois que ça passait le jeudi soir en deuxième partie de soirée sur M6. Et les critiques de cinéma disaient que c'était des films de merde. Hein. John Carpenter. Maintenant, moi, il y a un truc qui me fait de la peine, c'est Télérama qui dit ouais, Carpenter, le maître, le génie. Ok, maintenant, tu vois. Mais à l'époque, le mec, il se faisait, mais. Enfin, je veux dire, il n'était pas aimé. Les gens disaient que c'était de la merde ce qu'il faisait, que c'était des histoires pour débiles mentaux. C'est pour ça que quand Télérama, ils ont sorti comment ça s'appelle, leur récapitulatif podcast et qu'ils n'ont pas cité les podcasts de qualité, j'ai dit bah, dans 20 ans, ils feront des rétrospectives sur nous, tu vois. Bah ouais, non mais The Thing, c'est trop bien. Mais comment ça s'appelle? Mais même le seul film qu'il a fait, qui est pas un film d'horreur, qui est un film d'amour, qui s'appelle Starman, il est vachement bien ce film. Et il y a un truc que j'adore dans Carpenter, mais que j'adore, c'est que le mec, il a des histoires ultra simples, et il les raconte hyper bien. Mais je veux dire, New York 1990, 1997, mais c'est tellement la classe ce film. The Thing, il est vraiment bien. Et il y a quoi d'autre? Des Lives, il est incroyable. Invasion Los Angeles, il est incroyable. The Fog, il est vachement beau. Putain, mais j'arrive pas à trouver un John Carpenter qui est pas bien, tu vois. Tout est bien. Et en plus, on me dit que c'est des films d'horreur, mais pas tellement, tu vois. Mais je me souviens que The Thing, j'ai commencé à le regarder. Et j'étais avec ma meuf à l'époque, donc c'était il y a très longtemps. Et ma meuf, elle dit, putain, c'est quoi ce film, tu vois, elle était là, oh là là, n'importe quoi. Et à un moment, quand ils commencent à tester le sang des uns des autres pour savoir qui est infecté, je peux dire, elle dit, mais il est génial ce film. Et même à la fin, je dis, bon, c'est bon, j'ai vu la fin, j'ai pas envie de voir la fin. Elle me dit, non, non, c'est bon, il faut qu'on voit la fin. Et franchement, il t'accroche, le mec. Moi, et aussi, le film avec les vampires, là, le western vampire, putain, il est génial ce film. Ouais, même Ghost of Mars, moi j'aime bien Ghost of Mars. Ah non, mais. Je vais même vous dire, putain, Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, les gars, tellement bien, il est tellement bien. Et tu vois, j'en veux à ce podcast, je cite tout le temps Nos Ciné parce que ils aiment les films que j'aime. Ils ont fait un Nos Ciné spécial Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. À aucune minute du putain de podcast, genre le podcast il dure 1 heure, hein, ils te parlent du film. Genre ils te disent comment le film a été fait, c'est quoi les intentions, ça. Mais ils ne parlent pas du putain de film qui est trop bien. Mais Jack Burton c'est tellement bien. Ouais, le Western Vampire est trop bien. Il s'appelle Vampire avec un S. Donc, ah, tu connais pas Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin? C'est Kurt Russell. Alors, déjà, un truc qui est fou, c'est Kurt Russell, c'est un mec de droite qui est genre pro-NRA. Donc, genre, le mec, il est là pour les flingues, tout ça. Et il travaille avec John Carpenter, qui est le gauchiste par essence, tu vois. Et ils sont potes. Et donc, dans Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, c'est une sorte d'Indiana Jones, mais à la John Carpenter, donc Dark. Et c'est l'histoire d'un camionneur. Qui va sauver la nièce d'un pote qui a été capturé dans le quartier chinois de Chinatown de San Francisco. Et donc il rentre avec son gros camion, tu vois, il est musclé, il va y arriver. Et en fait, c'est intéressant parce que la scène, très rapidement, c'est ce gros camion, il est coincé un peu dans les petites rues de Chinatown, il peut plus bouger.
Et en fait, c'est ça, tu vois, c'est l'Amérique qui est confrontée à la Chine millénaire et les fantômes chinois et le kung-fu, tout ça. Et il va falloir qu'ils comprennent les codes pour pouvoir combattre dans ce secteur. Et vraiment, c'est fantastique. Oh, Christine, mon gars, j'avais oublié Christine, tellement bien. D'ailleurs, dans Christine, il y a cette phrase que je dis tout le temps, mais pas en présence de ma femme. Ils conduisent la voiture et il y a un mec qui dit, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de conduire une belle bagnole? Et le mec à côté, il dit, une chatte. Et l'autre, il dit, ouais, une chatte. Et je pense souvent à cette phrase parce que j'aime bien conduire les voitures, j'en ai plus. Et une chatte, c'est bien. Voilà. Ah, Kratu, salut Kratu. non. Voilà. Donc, non, c'est pas dans Snatch, c'est dans Christine. Christine, c'est pas trop mal. Et ce qui est bien, c'est que c'est une adaptation de Stephen King. Il repousse jusqu'au dernier moment le surnaturel. Enfin, pas jusqu'au dernier moment, mais assez loin. Et ça, on maintient une ambiguïté. On sait pas. Et je crois d'ailleurs, maintenant que je réfléchis, je me demande s'il y a une interprétation non surnaturelle. Peut-être que ça pourrait ne pas être surnaturel. Voilà. Donc, Christine Vroom Vroom, ouais. New York 97, il est trop bien New York 97. D'ailleurs, en fait, c'est fou que tout le monde se branle sur Solid Snake. Alors, le personnage de Kojima, moi je trouve que Kojima il est surcoté de ouf, hein, mais bon, là, il joue avoir plus d'ennemis que Shaka Punk, mais c'est incroyable de dire que Kojima c'est un visionnaire, le mec, il a fait un copier-coller de John Carpenter, tu vois. Et John Carpenter, il a cette élégance. C'est marrant parce que John Carpenter lui a jamais tenu rigueur. Je pense qu'il doit s'en foutre des jeux vidéo. Par contre, il en veut à mort à Luc Besson d'avoir copié sur Lockdown et je sais pas quel autre film. Ouais, The Fog, c'est cool. Mais même Invasion Los Angeles, je sais pas si vous avez vu Invasion Los Angeles. Tout est tellement magistral dans ce film. Mais il y a une scène qui est hyper chelou. C'est la scène où les deux mecs se battent. Il y a deux mecs qui se battent pendant 3 minutes. Et tu sais, ils se battent pas. Comment ça s'appelle? Ils se battent bizarrement. Ils se battent pas à moderne. Il y aurait une baston moderne. Tu aurais des mecs qui se mettraient comme ça, genre en MMA. Puis ils se donneraient des coups. Et tu verrais des dents sauter. Et tu verrais. Et là, en fait, Ils s'agrippent par la chemise et puis tu sais, ils font comme ça. Et puis à un moment même, genre, ils se câlinent, tu vois, c'est un peu crypto-gay. Et ils se roulent par terre dans la boue les uns et puis ils se relèvent. Et voilà, c'est assez marrant, quoi. Et il y a quand même, attendez, dans Invasion Los Angeles, il y a cette scène qui nous fait tous rêver parce qu'on déteste les banquiers. Où t'as le mec qui rentre avec un fusil dans une banque et on lui dit, vous voulez quoi? Et il dit, je suis là pour botter des culs et mâcher du bubblegum et j'ai plus de bubblegum et il se met à tirer sur tout le monde. C'est vrai, c'est génial, je veux dire. Putain, mais c'est incroyable. Ouais, c'est ça, mets tes lunettes. Mais ouais. Donc, ouais, moi j'adore. Moi, John Carpenter, pour moi, j'ai abandonné l'idée d'être aussi bon que John Carpenter, tu vois. Mais ça a été un guide longtemps. Voilà. Ouais, je sais que l'acteur de Daylight, c'était un catcheur, voilà, mais bon. Donc c'était. Voilà, moi j'aime vraiment. Enfin, voilà, j'aime beaucoup John Carpenter, donc en tout cas, on en a parlé dans cet entretien. Voilà. C'était plutôt marrant. C'était plutôt marrant. Alors moi j'aime pas trop Halloween, ça me fait trop peur. Moi j'aime bien les Carpenters qui font pas trop peur. En fait j'aurais adoré, je pense que le truc qui me ferait surkiffer, mais surkiffer, ce serait Le Seigneur des Anneaux par John Carpenter. En mode John Carpenter, tu fais ce que tu veux. Ou un Star Wars par John Carpenter. En mode t'as carte blanche. D'ailleurs ce qui serait génial, c'est qu'à mon avis, John Carpenter, il aurait fait pire que Rogue One. Il aurait fait genre toute l'Alliance Rebelle est détruite à la fin. Parce qu'en fait, c'était les méchants depuis le début. Il aurait fait un truc comme ça. Voilà. Donc, ce serait incroyable. Alors, il est un peu. Remarque, cela dit, il est vieux,
Mais je sais pas si vous vous souvenez, le mec qui a fait Mad Max Fury Road, il est méga vieux aussi. Hein, Mad Max Fury Road. Et donc, il y a peut-être espoir qu'il reprenne une grosse licence comme ça et qu'il fasse un truc. Après, je pense pas qu'il fera du Star Wars parce que c'est les enfants, maintenant c'est Disney. Je crois pas qu'il fasse le Seigneur des Anneaux non plus parce que il est trop. Voilà, mais il y aura peut-être une licence cool, tu vois. Je pense que je verrais bien. Il serait bien, alors c'est compatible, c'est bizarre parce que c'est Ridley Scott, mais il serait bien compatible avec Alien. Je verrais bien faire un John Carpenter qui ferait un bon petit Alien, tu vois. Voilà. Ouais, je sais qu'il fait des. Oui, je sais, mais. Un film français. Un film français que j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé. Comment ça s'appelle? Le film avec la meuf qui devient survivaliste, là. Qui pète un câble, et il y a un menuisier qui est amoureux d'elle et qui la suit. Ça, je trouve que c'est un super film. Ouais, je sais. Alien par Carpenter. Ouais, c'est peut-être. Non, c'est pas Red. C'est un autre truc. Non, arrêtez de dire des bêtises. Non, je crois pas que c'est le Red. Ouais, c'est ça, voilà. Yop Guy, en fait, alors Yop Guy dit un truc intéressant. J'ai vu un syndicat d'extrême droite reprendre le Seigneur des Anneaux en disant que c'est l'Iliade européenne avec des racines chrétiennes du XXe siècle. Ben, si, il faut le dire. Hein, comment dire, les elfes blonds et les Sutrons qui sont. Il faut voir le contexte aussi. Hein, 1947. C'est l'indépendance de l'Inde qui a été britannique depuis toujours. Et comme par hasard, au sud-ouest du Mordor, il y a quoi? Il y a l'Inde, tu vois. Et le Mordor, il est un petit peu. C'est un petit peu l'Empire ottoman. Donc, bon, voilà. Que ce soit volontaire ou non, c'est explicite et c'est pas nouveau. Hein. C'est pas nouveau. Les combattants, c'est ça, Silvéric. Ouais, après des bons films français, je sais pas si on a. Je sais que Kratu en regarde beaucoup. J'ai vu des films belges cool. Non, un film que j'ai beaucoup aimé qui a rien à voir, hein, je vous le dis. C'est en fait, j'ai pris Netflix pour voir ce film parce que il était en vente au prix d'un abonnement Netflix. Donc j'ai dit, allez, je m'en branche, je prends Netflix. Et j'étais hyper heureux de le voir, c'est Dans la chaleur de la nuit. Vous l'avez vu ou pas? Bonsoir Miradorius. Dans la chaleur de la nuit, ça vous dit quelque chose? Il est sur Netflix, vous pouvez le voir. Il est vraiment bien. Alors, j'aime bien les vieux films. Mais j'aime bien les vieux films pas cons, tu vois. Et putain, il est vraiment tellement bien, quoi. Dans la chaleur de la nuit, c'est génial. C'est l'histoire d'un. C'est dans une petite ville américaine. Genre, à limite un village. Ils sont tous ultra racistes de ouf. Et il y a un meurtre qui se passe. Donc il y a une fille qui se fait tuer. Et sur les lieux du meurtre, t'as un mec qui est. T'as un noir qui est dans une voiture et qui arrive de nulle part, tu vois. Qu'on connaît pas, un étranger. Et tout de suite, les flics qui sont ultra racistes embarquent le mec. Et genre en disant voilà, c'est toi le coupable, c'est sûr, tout ça. Et manque de bol, le noir, en fait, c'est un flic. Et c'est genre un super flic de Détroit, c'est un flic génial. Et donc ils sont obligés de le libérer. Et le flic de Détroit va dire, écoutez, vous êtes tous des nuls, il y a eu un meurtre. Je suis désolé, vous me détestez, je vous déteste, mais on va le résoudre ensemble. Et donc c'est un buddy movie avec, entre un flic ultra raciste et un noir. Et le flic ultra raciste qui a vraiment un mépris pour le noir et qui va apprendre à l'aimer. Et à la fin, il s'adore, tu vois. Et donc c'est un super film contre le racisme, enfin pas contre le racisme, mais c'est un super film avec des bonnes vibes, tu vois, et qui parle en plus de thèmes comme l'avortement, voilà. Donc vraiment moi c'est un film qui me touche beaucoup. Et s'appelle Dans la chaleur de la nuit. Et moi je l'aime beaucoup. Non, c'est pas Axel Foley, c'est Dans la chaleur de la nuit, c'est sur Netflix. C'est un vieux film, hein. Signé Poitier, ouais, tout à fait. Mais vraiment, il est. Et après, en fait, ce film est tellement bien que la seule chose que tu te dis, c'est est-ce qu'il y a une suite? Il y a eu deux suites et les deux suites sont pas très bien parce que, comment dire, le message très simple qui est de dire, il faut pas être raciste. Après, ils ont fait des suites dans le contexte des Black Panthers, tout ça. Donc, le message se complexifiait, je trouve, c'est pas trop utile. Mais là, le message ultra simple, ultra efficace dans un polar.
avec en plus ce flic noir vachement digne qui se laisse jamais avoir par le racisme, qui tient bon, et t'as un mec, en fait le flic raciste, il est en plus, tu vois, c'est un petit gros moustachu, on dirait Kopalski là dans New York City Blues, là je sais pas comment ça s'appelle, enfin on dirait le polonais là, et on le déteste ce flic, mais quand on voit ce flic raciste qui petit à petit, parce qu'il est pas con, il voit que le noir est vachement intelligent et que et qu'il a en fait que c'est lui le con, tu vois, il s'en aperçoit et qu'il regrette et en fait qu'il a un ami pour la première fois. En fait, tu l'aimes aussi ce raciste et c'est trop bien. Ah, il est plus sur Netflix, bah désolé, désolé. Bon bah voilà. Non, j'ai pas. Alors j'ai vu le premier épisode de True Detective, mais j'ai pas la patience pour ça. Voilà. Alors j'ai vu le film français Nicky Larson et j'étais agréablement surpris, même si effectivement je pense que je trouve ça très étonnant que ce film puisse sortir dans le contexte actuel, parce que il y a beaucoup de blagues qui à mon avis ne passent pas le cratu test, tu vois. Mais je l'ai trouvé, franchement je l'ai trouvé dense en gags, voilà. Rod Steiger, voilà, exactement. Ouais. Et il y a aussi autre chose, c'est qu'il est assez fidèle à Nicky Larson. J'aimais. Alors, j'espère ne pas vous choquer, je n'étais pas très fan de Nicky Larson. Voilà. Ouais, il est. En fait, en vrai, il y a un truc, je pense que tous les fans d'animation japonaise et de Nicky Larson en particulier, je rappelle, hein, j'aime pas ça, donc moi j'étais pas touché par ça. Ils se sont dit, putain, mais pourquoi c'est lui qui fait cette adaptation? Ça va être trop débile, c'est de l'argent foutu en l'air. Et le mec s'est défendu en disant, mais moi je suis fan. Et à la visionnage du film, enfin, tu vois que c'est un fan. Et de toute façon, Philippe Lachaud, il est pas génial. Mais t'as Didier Bourdon. Et Didier Bourdon, comme le bon vin, avec l'âge, il devient quand même très très bon. Il est vraiment très très drôle. Voilà. Ouais, bien sûr, le manga, tout ça, t'as raison. C'est fidèle, c'est super fidèle à l'original, ouais. Le cratu test. Ouais, on le respecte un peu quand même, parce que. Ouais, Crying Freeman, pas trop mon délire. J'ai pas trop envie de ça en ce moment. Même si. En fait, ce que j'aime pas trop dans les films comme. Enfin, dans les constructions de mystères. Pardon, j'ai dit un truc qui n'a pas de concept, contexte. Mais bon. Donc, je suis rentré ici, j'ai mangé des nouilles que j'ai achetées chez Anne A de Zen. Donc, c'était des nouilles au poulet croustillant, avec en entrée trois gyoza. Voilà. Et je peux vous dire que j'ai été particulièrement bien servi en termes de générosité, de portion. Ensuite, je suis allé faire mon tout premier casting, donc j'étais vraiment très fier. Donc je ne suis pas, je n'étais pas, donc c'est un casting pour un projet audiovisuel ambitieux, puisque alors je ne suis pas la personne qui passe en audition, mais je suis dans le jury, vous savez, de la Nouvelle Star en quelque sorte. Alors plus précisément, il y avait bien le jury de la Nouvelle Star, mais moi j'étais le quatrième un peu derrière qui disait, moi de toute façon je ne compte pas, mais moi je donnais juste des instructions sur mon domaine de spécialité. C'est une grosse prod quand même. On a fait un appel d'offres pour cinq acteurs, actrices. On a eu 1000 CV. On en a retenu 50. Et là, on les a tous filmés. Et on s'est dit, putain, mais on aurait dû trop streamer ça. Mais en vrai, on a un obstacle qui est que si tu streames une audition, t'es obligé de payer la personne. Alors, c'est pas qu'on est radin, mais on n'avait pas prévu le budget pour ça. Donc, ça aurait été un budget, je sais pas, le mec il vient, tu le payes 100 euros, on va dire, ben ça fait 5000 euros quand même. Voilà. Donc, c'est pas rien, tu vois. Mais on aurait bien aimé. C'était vraiment bien. Je suis arrivé en fait, et j'ai dit, mais les mecs sont tellement forts. Enfin, il y avait une meuf, je peux pas dire son nom. Je vais dire son prénom. Non, je vais même pas le dire. Je vais pas le dire. Non, mais il y a une meuf qui est là. Elle joue la scène que je connais, puisque voilà, je connais le script.
mais elle joue trop bien, tu vois. Elle joue vraiment hyper bien. Et tu sais, c'est un peu la première fois que j'ai ouvert Tinder et que j'ai vu une meuf qui était trop belle. Et j'ai dit, mais je veux passer ma vie avec elle. Je swipe, il y a une autre meuf trop belle. Donc j'ai dit, mais elle est trop bien. Elle me dit, ouais, elle est bien, elle est bien. Et la meuf d'après était pareil, elle était incroyablement bien. Et après, en fait, tu t'habitues. Tu commences à trouver des trucs qui vont pas, tout ça, mais ouais, mais il se trouve que effectivement la première personne que j'ai vue, je suis arrivé en retard, elle faisait partie des personnes qui étaient quand même qui dépotaient un peu. Alors c'est assez. Le fait que l'audition soit streamée peut changer la performance. Bah en fait la performance, elle est aussi difficile à faire parce que tu as ce côté, enfin, t'es devant trois personnes, mais c'est pas comme dans La Nouvelle Star où c'est silence. Tu vois, on regarde les CV, moi je prends des notes, on prend des photos, on filme en même temps. T'as aussi parfois des gens qui viennent pour donner la réplique, donc c'est assez intéressant. On peut aussi faire une pré-audition, c'est-à-dire que parfois, pour se chauffer, on commence pas tout de suite l'audition, on révise juste les textes très rapidement, on les fait sans faire le truc très rapidement. Donc c'était plutôt bien, c'était vraiment instructif. Le physique compte. Alors le physique compte, c'est pas le physique, c'est pas genre oh la meuf elle est trop belle, on va la prendre. C'est plutôt quand t'as un acteur très grand et t'as une meuf toute petite, ça crée un truc, par exemple, tu vois. Ça ou l'inverse, hein, une meuf grande et un acteur petit. Ça crée un truc et ça fait partie des sujets, tu vois. C'est-à-dire que sur un CV d'acteur, ce que j'avais jamais vu, c'est qu'il y a la taille en centimètres. C'était marrant. Voilà. Ça dure combien de temps d'ici 50 personnes? 2 jours. Moi, je suis venu que pour les derniers. Voilà. J'ai rencontré un mec qui faisait de l'impro. Donc, sachant que un des trois casteurs, c'est le président de la Ligue majeure d'impro de France, qui est la Ligue majeure d'impro de France, c'est la championne du monde. Donc le mec, il est costaud. Et là, il me dit, Fibre, ce mec, c'est le meilleur du monde en impro. Alors, je dis, pourquoi? Il me dit, tu peux lui demander n'importe quel sujet, il te parle en alexandrin qui rime sur le sujet. Et tu peux même imposer des mots, tu vois. Le mec, il est ultra fort, il était incroyable. Et il dit, vous voulez que je le fasse en alexandrin? Je dis, écoutez, non, le faites pas en alexandrin parce que ça va nous perturber. L'important, c'est qu'on fasse le truc. C'était incroyable. Il y a des mecs tellement forts, tu peux pas savoir. Voilà. Voilà. La taille en centimètres de votre hauteur, quoi. Voilà. Et c'était bien, et c'est vraiment bien en fait. Acteur, c'est un métier, on se rend pas compte. On se rend pas compte. Vous savez, il y a cette scène dans comment ça s'appelle? Dans Mulholland Drive, justement, où tu as une fille qui joue un rôle d'une façon surprenante et This is the one. En fait, c'est complètement irréaliste cette scène parce que elle est irréaliste à dessein d'ailleurs. Parce qu'en fait, il faut vraiment voir 50 personnes pour comprendre ce que tu veux et ce qu'on veut. Et c'est aussi. En fait, il y a à la fois, on prend les meilleurs. On prend les meilleurs qui rentrent dans l'optique du casting, qui ressemblent aussi au personnage. Parce que par exemple, tu peux pas aujourd'hui mettre une personne qui a 60 ans pour jouer quelqu'un qui a 20 ans. C'est compliqué quand même. C'est possible, hein, mais c'est pas ce qu'on veut parce que on a une orientation quand même série. Et après, tu as tout le. Est-ce que les producteurs, diffuseurs, financiers vont valider le cast, tu vois? Parce que c'est un peu un Game of Thrones. Voilà. C'est possible de faire un film en Alexandra. Lui, il pourrait en tout cas. Araignée d'histoire sur son CV, elle habite sa tête en millimètres. Ouais, moi, je vous montrerai mon CV un jour. J'ai mis des fausses citations dessus, genre Fibre Tigre est le meilleur dans ça, tu vois. C'est rigolo. C'est mon petit. La circonférence, ça dépend. Parfois, il faut des gros. Fibre Tigre est le meilleur. Je n'ai jamais fait de CV, mais parfois, il en faut. En fait, j'ai fait un faux CV. C'est-à-dire que parfois, par exemple, si tu veux enseigner, et j'enseigne, je fais des petits cours parfois, il faut un CV. Donc, tu envoies le CV. Mais les gens ne le regardent pas.
En fait, s'il le regardera, il me demandait de le renvoyer parce que je. Il y a littéralement, il n'y a pas Fibre Tigre le meilleur, mais ouais, il y a marqué Fibre Tigre est de toute évidence le meilleur, le plus grand spécialiste de la fiction interactive au monde. Point. Et j'ai mis un nom dessous qui est introuvable. Non, mais ça c'est important. Non, mais vraiment, j'ai vraiment écrit ça. J'ai écrit. D'ailleurs, en fait, il y a un truc, c'est que ce matin, je en parlais. J'ai dit, moi, suivant l'interrupteur que j'ai en face, je dis, Outder, j'en ai vendu 100 000, ou j'en ai vendu 5 millions, je regarde la personne droit dans les yeux, tu vois. Genre, j'ai vendu 5 millions d'Outder. Et je peux d'autant plus facilement mentir que j'ai absolument aucune idée de combien on en a vendu. Ça, c'est mon truc. C'est mon truc, tu sais, c'est comme Hulk. Hulk, il est en colère tout le temps. Moi, je mens tout le temps, de base, parce que je sais pas. Et c'est ça en fait. Non mais en vrai, c'est quoi? Mais on s'en fout. J'ai dit ça ce matin. En fait, on m'a dit quel conseil à donner. J'ai donné entre autres comme conseil. J'ai dit franchement, dans le monde du show business, tous vos interlocuteurs y mentent. Vous n'êtes pas devant des flics. Donc surtout ne dites pas la vérité parce que les gens ils vont croire que vous mentez. Donc ils vont réajuster le truc pour comprendre qui vous êtes. Donc surtout pas, tu vois, c'est surtout vous surtout pas dire la vérité. Les vraies histoires ne sont pas des vraies histoires. Ne pas connaître la vérité, est-ce mentir? C'est ça exactement, Dawarm. J'émets des hypothèses. Mais putain, mais t'as raison, Dawarm. T'as tellement raison. À partir du moment où je ne connais pas la vérité, je ne peux pas mentir. Je ne peux que formuler des hypothèses. En vrai, il y a un truc qui me déprime, c'est le fait que quand tu dis un truc faux, longtemps, ça devient vrai. C'est incroyable quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut pas dire, tiens, j'arrive à voler dans les airs et hop, tu te mets à voler, tu vois. Mais en vrai, si tu dis un truc faux, par exemple, l'exemple le plus intéressant, c'est tu prends un homme politique vraiment qu'on détestable. Et il dit franchement, votez pour moi, je serai le meilleur président, je serai le meilleur président. Et à un moment, il est président, tu vois. On s'est dit, mais, putain, on s'avait baisé où là? À quel moment? Et en fait, ça a marché. Voilà. Donc, je suis millionnaire. Ah, Ketouki, ça fait longtemps. Ketouki. Ah, on voit que tu cherches. Comment ça s'appelle hein? Tu n'es pas sur la soirée Do It Yourself Undies? Ouais. J'ai dit que j'avais peur des canards pour une blague, mais au fur et à mesure, je crois que j'ai fini par avoir peur. Donc de quoi? Bah, ce soir, en fait, il n'y a pas Game of Thrones, mais il y a une soirée faites vous-même des undies, je sais pas ce que c'est, je pense que c'est une marque de sous-vêtements pour femmes. L'OPSP, le stream, ouais. Ah, tu vas te faire cuire des merguez. Ouais, c'était pas mal. On a parlé merguez cet après-midi. Ketouki, voilà. Donc voilà, j'ai des petits projets avec Twitch, j'espère que ça va bien fonctionner. Et finalement, je suis rentré ce soir. Alors, je dois vous dire que je vous en parlerai bientôt, mais pas tout de suite. J'ai un projet très important dans ma vie. Très important dans ma vie. Je vais pas dire que, genre, quasiment, c'est mon enfant, tu vois. Mais j'ai un projet très important qui va. Ah, attendez, j'ai un petit problème. Qui a des soucis en ce moment, qui va probablement être annulé voilà, par diverses choses. Et je le vis plutôt bien. Non, on ne parle pas de Game of Thrones. Je le vis plutôt bien. Et je ne sais pas si parce que j'ai une inertie émotionnelle. Moi, en fait, j'ai souvent ça. C'est-à-dire, je suis sûr que le jour où mes parents vont mourir. Je souhaite que le plus tard possible, hein, j'ai pas du tout envie qu'ils meurent, j'espère qu'ils sont en bonne santé. Mais je pense que ça va, je vais être là comme ça, je vais dire c'est triste. Et après je vais dire, putain, je suis pas triste, est-ce que je suis normal, tu vois? Et puis 15 jours après, genre je vais dévaster, tu sais, je suis tout le temps comme ça, voilà. Ouais, une marque de slip. Mais tu vois, la différence entre Game of Thrones et la marque de slip, c'est la marque de slip, elle donne de la thune. Voilà. Il y a un truc que vous devez savoir. Voilà, Antioch, ça m'a pris 6 mois de ma vie. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire?
Ouais, le temps de réaliser. Effectivement, tu vois, quand tu as une expérience, on peut t'en parler, tu peux savoir qu'elle existe, l'information, tu peux la comprendre, et ensuite tu peux la réaliser. C'est-à-dire, elle te pénètre totalement et tu la comprends entièrement. Et ça, c'est trois étapes assez compliquées. Donc, cela dit, comme je l'ai souvent dit, moi je suis dans un contexte qui fait que quand j'ai un trou dans mon emploi du temps, il se remplit tout de suite. Hier, on m'a demandé, t'as pas une idée pour un documentaire? J'avais une super idée. Je sais pas si vous avez suivi l'affaire Save Me Mr. Taco, ça vous dit quelque chose ou pas? Pourquoi CD Projekt t'appelle pour adapter Aria? Bah, Mr. Sox, là en mars, il y a le jeu vidéo Aria qui sort. Ça vous dit rien, Save Me Mr. Taco, c'est un jeu vidéo fait par un petit jeune. Hein. Je vais vous raconter cette histoire, elle est vachement triste. Je peux pas tout vous raconter. Mais en gros. Je peux vous raconter ce qu'on voit factuellement. Donc, du coup, je ne dévoile pas d'informations confidentielles. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a 19 ans. Il s'appelle Christophe Galati. Et il dit, j'ai envie de faire un jeu vidéo. Et il arrive à faire tout seul un platformer qui s'appelle Save Me Mr. Taco. Taco, c'est poulpe en japonais. Donc, il fait un petit jeu vidéo charmant qui rappelle bien la Game Boy. Et même Ken Bogart, il adore ce jeu. Ce jeu, il commence à cartonner. Et il marche tellement bien alors qu'il n'est pas fini. Qu'il y a Nicalis, qui est un éditeur américain, qui le signe avec lui. Et Nicalis, c'est Cave Story. Donc, je ne vous connaissais pas Cave Story, mais alors, hey, ça me fait plaisir que tu dis qu'il soit parti en résidence artistique au Japon, parce que qui l'a envoyé? C'est moi. C'est-à-dire, alors, se dire que c'est moi qui l'ai envoyé, je ne vais pas piquer le billet de train de ça, mais effectivement, je lui ai dit, mec, il faut que tu le fasses. On a d'abord fait ensemble, on a fait le dossier pour la Villa Médicis, et la Villa Médicis, s'il ne voulait pas. Et j'ai aussi mis un peu de pression à des tas de gens, j'ai fait des lettres de recommandation de malades mentales, tout ça. Et effectivement, je me suis battu, il a pu rentrer à la Villa Kujoyama. Et donc, il a fait cette résidence artistique au Japon, mais il ne l'a pas fait pour ça. Alors, Nicalis, ce n'est pas des connards. C'est ça le truc. Et donc. Il fait son jeu ici avec Nicalis. Le jeu est terminé. Et il va pas au Japon. Enfin, oui, comment dire? Le jeu ne sort pas. Le jeu ne sort pas. Le Nicalis refuse de sortir le jeu. Et Nicalis. Je peux pas en parler. Mais Nicalis n'a. Comment dire? Déçoit. Par exemple, il déçoit au moins un développeur qui est le développeur de Cave Story parce que il se met maintenant en fait il strike les clones de Cave Story alors que les développeurs de Cave Story sont tout à fait OK pour avoir des clones, tu vois, par exemple. Donc Nicalis, voilà. Et donc récemment, Christophe a réussi à sortir du deal avec Nicalis. Donc là, il a repris son jeu, il va le relaunch. Et un des deals de la sortie, c'était il n'a pas le droit de parler de cette histoire pendant 10 ans. Et c'est dommage parce que ça aurait fait vraiment une histoire absolument incroyable sur le monde de l'édition. Donc, en fait, immédiatement, quand le mec m'a dit, t'as pas une idée de docu, j'ai dit, Christophe, vas-y, on parle de ton histoire. Parce que le mec, c'est un mec qui vit à Valence. Tu vois, le pauvre, il vient à Paris. Enfin, tous les Indés, on lui paye des repas. Parce que, en fait, on a un surnom, c'est moi qui lui ai donné, le pauvre. On l'appelle Princesse Sarah, tu vois, dans le milieu, parce que c'est vraiment un mec. Il a de l'or dans les mains, parce que c'est à 19 ans, il fait un jeu incroyable. Et pourtant, il lui arrive toutes les merdes de la Terre. Mais le pauvre aussi, il a 19 ans, tu vois. Tu te fais arnaquer, en fait, à 19 ans. Et Save Me, Mr. Taco. Ouais, exactement. Et bon, le pauvre, voilà. J'aurais aimé faire ce. Non, pas la peine de donner de l'argent, achète son jeu, c'est tout. Et là, il est en train de faire un nouveau jeu qu'il a commencé à la Villa Kujoyama. Mais malheureusement, un tel documentaire n'aura pas lieu avant 10 ans, puisqu'il y a les NDA maintenant. Donc, le pauvre. Donc, ça, c'est pas mal. Il semble que Nicalis n'ont pas une super bonne réputation. Ouais. Ben ça, Nicalis, c'est vraiment. Je trouve ça incroyable que tu as des éditeurs qui ont de l'or dans les mains et qui se comportent.
pas très bien. Voilà. L'éditeur le plus révoltant à mon sens, c'est un mec qui habite à Hawaï, un éditeur dingue, hein, qui a fondé une société qui s'appelle Edge il y a hyper longtemps. Et là, cette société n'a fait qu'un seul truc, elle a acheté les droits du nom Tetris. Et le mec ne fait qu'un truc, faire chier le monde dès qu'il y a un Tetris. Il lui fait un procès en disant, vas-y, tu me donnes des droits, tu utilises le nom que j'ai utilisé, que j'ai acheté, tu vois. Et il vit que de ça. Et quand le magazine Edge s'est mis en place, un magazine de jeux vidéo, il a aussi fait un procès à Edge. Le mec, il ne fait que des procès, il vit que de ça. C'est insupportable, hein. J'ai essayé la radicalité, je sais pas ce que ça veut dire. Allez, merci, bye, Jigo. Ouais, c'est pas très cool. Ben non, mais en fait, le problème, c'est que tu vois, c'est un peu comme les Bogdanov. Je sais pas si vous avez suivi l'affaire Bogdanov, t'as des mecs. Bogdanov, t'as d'autres gars. Tu vois, Bogdanov, je sais qu'ils iront jamais ce truc, mais t'as d'autres gars qui sont acharnés. En fait, t'as des gens, tu dis leur nom, un peu comme le croque-mitaine, et ils viennent te faire chier à vie, tu vois. Et je veux même pas prendre le risque, tu vois, je veux pas prendre le risque. C'est pour ça que je dis, ils sont pas très cool. Mais il y a des gens, tu vois, par exemple, je peux dire la SNCF, c'est des fils de pute avec leur carte liberté. Je sais qu'ils vont pas me faire chier, tu vois. Parce que y en a qui ont pas de race. La SNCF a une petite race. Oh, et surtout, ils ont pas, comment dire, ils ont pas trop de. Mais ouais, mais il y en a. Voilà. Donc, le secret de Baradine, bah, c'est un bon jeu. Moi, je trouve ça un peu overhypé, voilà. Donc, les Bogdanov font des poursuites. Je peux te dire un truc, il y a une page Wikipédia sur une page Wikipédia, pas sur les Bogdanov, qui s'appelle l'affaire Bogdanov. Moi, que j'ai vécu à l'époque en direct, parce que ça se passait sur un endroit d'internet que vous n'avez déjà pas connu, les jeunes, qui s'appelait Usenet. Et l'affaire Bogdanov, je l'ai vu en direct, c'était absolument incroyable. Et ce que vous savez, ce que vous n'avez pas vu, c'est que le monde entier se moquait de nous. Le monde entier. Tous les physiciens du monde entier étaient. C'était tellement gros qu'ils pensaient que c'était un canular super développé. Bah non, 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 il y a l'affaire Bogdanov, c'est une page Wikipédia qui est très longue, il y a plein d'affaires, c'est vrai. Mais ça explique bien le problème. Et si tu veux, par exemple, un des rebondissements de l'affaire Bogdanov qui, moi, me pose problème, c'est qu'à un moment, tu as Ciel et Espace qui ont dit, bon, il y en a marre, on va vous expliquer pourquoi. Pourquoi il y a un problème avec les Bogdanov. Et ils ont pris des passages de leur thèse en expliquant qu'est-ce qui n'allait pas dans leur thèse. Et en fait, les Bogdanov les ont attaqués de toutes les façons possibles. Notamment, il y a un angle qui a complètement marché, qui a été que ils ont dit, vous n'avez pas le droit de reproduire des écrits de notre thèse sans notre accord. Et ça a été confirmé par le tribunal. Et si tu veux, quand on arrive à ce point-là de démarche pour obtenir une forme de censure, je me dis, j'ai pas envie de les avoir en ennemi, tu vois. J'ai pas, moi, ils me font peur, tu vois. Donc, non, non, ils ont pas copié-collé la thèse. Pas du tout. Ça, on peut dire qu'ils ont pas plagié. Voilà. Donc, ouais, y a l'histoire de la thèse des Bogdanov, entre autres. Non, mais les newsgroups, ouais. Foutaise. Non, il y a la thèse, alors la thèse de l'autre aussi, comment il s'appelle la thèse qui a été invalidée là? Du président d'Internet. Comment il s'appelle ce mec? Je me souviens plus. Putain, il serait. À la fois, il serait vénère que je parle de lui, en plus, il serait vénère que je me souvienne plus de son nom. Il s'appelle, je sais pas qui. Et la thèse de l'avocat qui a été invalidée là. Putain, mais ce travail qu'ils ont fait, quoi, ils ont regardé la thèse page par page, putain. Sur le compte thèse Arrache des rembarches. Ouais. Incroyable ce compte. Alors, le compte thèse. Je vis dans la peur, mais en fait, c'est pas ça. C'est que le problème, je vis pas dans la peur que les Bogdas, ils ouvrent la porte, ils la défoncent et ils me donnent un. En fait, la vie, le temps, c'est précieux. Et je veux pas qu'on me vole mon temps. Je veux pas recevoir un courrier recommandé avec un avocat qui me dit, vous auriez pas dire ça, blablabla, et que je dois prendre un autre avocat pour lui répondre. Et on se bat avec des avocats et je dois répondre payer une facture d'avocat. Tu vois, j'ai pas envie, juste parce qu'un jour sur YouTube, j'ai dit, hey, lol, les Bogdanov, alors j'aurais pu parler de choses plus intéressantes. Donc, tu vois, ça me fait un peu chier. Alors, il y a un compte qui s'appelle Thèse
underscore synthèse sur Twitter, qui c'est donc vous pouvez aller le voir, il retrace une affaire intéressante pour rester neutre vis-à-vis de cette affaire, et notamment il se penche sur la thèse d'une personne que je ne vais pas citer, et ils prétendent que cette thèse serait plagiée. Voilà. Oh là là, comme j'emploie bien ces mots. Et preuve à l'appui. Voilà. Et ça a donné lieu à des conséquences. Voilà. Les actes ont eu des conséquences. Si j'ai le droit de dire son nom, j'ai complètement le droit de dire son nom. Mais je ne vais pas le dire. C'est tout. C'est tout. C'est un peu comme. Je sais pas. Tu vois, en fait, il y a un truc que je ne fais pas sur Twitter non plus. C'est parler à l'extrême droite. C'est pas que je suis de gauche ou que j'aime pas l'extrême droite, c'est qu'ils vont me prendre la tête, tu vois. Ils vont me faire chier jusqu'au bout du monde. Tu vois, dès qu'il y a un mec qui me dit, toi, que ce soit un ultra-libéral, un extrême droite, un anti-nucléaire, un pro-nucléaire aussi, hein, peu importe, un fan de câble, dès que je vois un mec extrême qui, de toute façon, lui, il est pas là pour le débat, il est là pour te convaincre de rejoindre l'extrême. J'arrête tout de suite les conversations, je dis, écoute, c'est hyper intéressant, je dois aller bosser. Voilà. Passez une bonne journée, je pense qu'on n'aura jamais d'accord. Voilà, c'est tout. Donc, histoire vraie en mode langue de bois. Voilà. J'avais un prof, soi-disant qu'il avait fait une découverte majeure en informatique, il a envoyé le document en lecture à un confrère. Ce cher confrère a publié ses recherches, c'est devenu célèbre. Faut voir un truc. C'est que ça, j'ai découvert en université. Moi, je deviendrais fou. Hein. Moi, je pense que je deviendrais physiquement violent. Mais j'ai découvert ça, c'est qu'en fait, il y a un système pyramidal en université. C'est-à-dire que tu signes des travaux de recherche pour ton boss en permanence. C'est-à-dire que ça fonctionne comme des entreprises. Finalement, c'est toi le boss. Et comme toute ta vie, puisque l'université, c'est en strates, tu montes. Et comme toute ta vie, t'as fait que signer que le boss il a pris, maintenant c'est les autres qui payent pour toi. Tu vois, c'est les autres, c'est les mecs qui payent pour toi. Donc en gros, c'est une sorte de capitalisme démocratique, communiste, c'est-à-dire que tout le monde se fait spoiler, mais à un moment c'est toi qui spoil les autres. Donc c'est un peu du communisme du spoil, tu vois, mais de la spoliation. Mais vraiment, moi ça me rendrait dingue. C'est-à-dire que moi, je me casse le cul à faire un truc, je suis passionné, et il y a un autre mec qui signe à ma place, mais moi. Franchement, je deviens fou, je mets le feu à sa maison. C'est incroyable, je supporterais pas ça. Donc ça, c'est... Voilà. Voilà. Non, alors, je suis pas fan de... Alors, le problème avec les fans de Kaamelott, c'est peut-être bien Kaamelott, j'ai pas vraiment regardé. Voilà. Je sais qu'à un moment, le mec dit c'est pas faux, tu vois. Simplement, alors, je peux pas dire je n'aime pas, je peux pas dire j'aime non plus. Et comme je dis pas... Comme en général, quand on parle de Kaamelott, tu sais, c'est un milieu rôliste, et que je dis pas, waouh, je suis trop fan et j'échange pas des anecdotes ou je sais pas quoi, les gens ils pensent que je suis un snob qui déteste Kaamelott, alors pas du tout, c'est juste que j'ai pas d'avis sur la question et c'est mal vu, tu vois. Donc non, il y a ça aussi. Salut Vilaine. Non, non, non. Alors, c'est toi-même, Juc Le Marc, qui dit Chaka Punk et pas Chaka Punk. Alors, Kojima, je ne le défonce pas, mais je lui reproche la chose suivante que je trouve extrêmement irrespectueuse. C'est que c'est Hideo Kojima Games. Tout le monde dit Hideo Kojima, t'es un génie. Hideo Kojima. Alors que le jeu était fait par des milliers de personnes. Que le mec s'est tapé à faire un moteur en 60 FPS, à mon avis, c'est certainement pas Hideo Kojima qui l'a fait. Au contraire, c'est un mec qui a dû cruncher parce qu'Hideo Kojima, il dit c'est 60 FPS ou tu meurs, tu vois. Et pour moi, prendre de la musique des années 70 et la mettre dans un jeu vidéo, c'est pas faire preuve de création, c'est juste faire preuve de thune, c'est tout. Voilà. Donc moi, il m'impressionne pas. Et en vrai, MGS5, il était gratuit sur le Game Pass. J'ai pas joué, j'ai pas accroché du tout. J'ai pas aimé. J'aime pas ces jeux, quoi. Il n'y a rien qui me plaît, quoi. Donc, voilà. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, il a. En fait.
tu sais, il y a cette idée de les dirigeants, c'est les serviteurs de l'État, donc les serviteurs du peuple. Donc, soi-disant, les dirigeants seraient en dessous, alors qu'en fait, ils sont complètement déconnectés. Et dans le jeu vidéo, c'est pas encore trop pourri par ça. C'est-à-dire que dans le jeu vidéo, tu verras assez peu de gens, mais il y en a, qui diront, ouais, c'est mon jeu, je suis un génie, tout ça. Non, souvent, les jeux, c'est une équipe qui l'a fait, et on met tous les gens d'avant, etc. T'as les génériques qui sont en entier. Là, franchement, Hideo Kojima, il n'y a que lui. Et en fait, c'est aussi pour ça, je pense qu'il a des fans. C'est parce que les gens arrivent à réduire ses œuvres à une personne. Et à dire, putain, mais c'est lui qui a fait ce jeu, qui m'a tellement transporté. Là, ils se disent, ouais, effectivement, c'est un génie, il l'adore, et il a l'adoration en retour. Mais c'est pas. Enfin, tu vois, c'est pas très respectueux. Surtout que il y a un truc qui est incroyable dans ces jeux, quand même. Pour moi, c'est la technique. C'est-à-dire, il a des exigences techniques d'open world, ce qu'on appelle le streaming, mais ça n'a rien à voir avec Twitch, c'est le streaming d'open world et de FPS, qui font que c'est quand même remarquable. Mais ça, c'est pas lui qui a codé, tu vois. Donc, voilà, c'est pour moi. Et le problème, c'est que c'est du. Comment ça s'appelle? C'est du pain béni pour les journalistes qui disent, ah ouais, mais. Ton dernier jeu, Kojima, il est exceptionnel. Voilà, donc. Voilà. 100 fois le nom de Kojima, toujours relou. Ouais. Eh ben, Carpenter. Ah, N115, remarque de N115 que j'aime beaucoup. Il n'a pas fait film tout seul non plus. Eh ben, figure-toi que Carpenter, c'est un mec qui scénarise, script, fait la musique, filme. Fait la photo, enfin tu vois, et il dit, à un moment, il disait qu'il n'y a que deux personnes au monde qui font ça, c'est moi et Orson Welles. Donc le mec, tu vois, il fait la musique aussi. Donc, ok, il y a plein de gens, et il y a plein de gens derrière, mais il y a une différence entre John Carpenter et Hideo Kojima, c'est que John Carpenter fait quand même énormément de choses techniquement. Donc, ça, c'est. Non, mais ça, c'est. Mais ouais, mais le cinéma, c'est devenu comme ça, et le cinéma, there is no business like show business. Au cinéma, on est. En fait, le cinéma, c'est le futur du jeu vidéo. C'est-à-dire que demain, si on dirait, je sais pas, par exemple, Michael Pfeiffer, c'était mon associé sur Out There. Il y aura Out There 6, Michael Pfeiffer S, Out There 6, tu vois. Et c'est tout. Il y aura que ça. Et je pourrais même pas l'appeler. Il faudrait que j'appelle son attaché de presse, tu vois. Donc c'est. Bah déjà, le monsieur Dark Souls, il n'est pas ultra connu. Voilà, donc moi ça me dérange pas. Et en plus, j'ai vu une interview, donc j'ai acheté Dark Souls Works là. J'ai un interview du créateur de Dark Souls et je l'ai trouvé d'une grande humilité. C'est-à-dire, c'est un mec qui dit, quand tu lis, alors il le dit pas explicitement, mais il dit Dark Souls, c'est un heureux accident. C'est-à-dire que Dark Souls, on voulait pas forcément qu'il soit comme ça et il a été comme ça et on a eu de la chance. Donc moi je trouve que c'est très très bien. Je trouve que. Enfin après, c'est différent, mais je trouve que Hideaki Miyazaki, il a tendance à dire on a tenté ça, et on a trouvé ça, et c'était cool, tu vois. Il y a cet aspect on tente, on cherche, on trouve, et c'est bien. Voilà, tandis que Hideo Kojima, il dit j'ai une vision. Donc, c'est un peu différent. Voilà. Donc, Dark Souls Work, c'est un livre. Voilà. Un livre d'artwork, mais il y a un bel interview dedans. Salut Datimute. Après N115, tu as raison de dire, tu vois, par exemple, au début de The Thing de John Carpenter, il y a marqué John Carpenter's The Thing, mais ça veut dire qu'en fait c'est un remake, donc ça se comprend. Par contre, alors, je ne connaissais pas parce que c'est un jeu de vieux qui n'est pas extraordinaire, mais il est à nouveau présent sur le Game Pass. Il y a Alice au Pays des Merveilles qui a été revisité en jeu vidéo de façon macabre dans un jeu vidéo qui s'appelle American McGee's Alice. Et c'est vraiment très drôle parce que c'est un créateur de jeux vidéo qui s'appelle American McGee's. American McGee en fait. Et je trouve ça hyper bizarre de dire American McGee Alice au Pays des Merveilles. Pourquoi mettre son nom sur une. Enfin, tu vois, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre quand t'es inconnu, tu vois. Si c'était Squeezie's Alice au Pays des Merveilles, why not, tu vois, ou Shroud, ou Ninjas, Alice au Pays des Merveilles, mais là, American McGee, le mec, on connaissait pas. Donc, c'était Dark Souls Design Works, exactement.
J'ai juste un tempérament que j'ai bien réussi beaucoup de choses, il est constant dans sa réussite. Oui. Non mais ça c'est sûr. Il est. En fait, je te dis ma crainte, Tic-Tac Dring, je dis pas. Enfin, tout le monde a le droit de faire des jeux, il a le droit de faire des jeux. Je te dis ma crainte, mais maintenant je m'en fous. Mais à l'époque, ça a compté pour moi. C'est juste que un jour, j'étais à côté de Christophe Gans. En fait, pour être plus précis, je travaillais avec Christophe Gans, qui est un réalisateur de films. Et le mec était là. Et on était au Gérardmer. Et je lui ai dit, ben voilà, vous êtes un créateur, j'en suis un petit aussi, désolé. Est-ce que ça vous dirait d'échanger avec moi? Et le mec, au lieu de me dire, ouais, ok, parlons, il a dit, pas de problème, prenez rendez-vous avec mon attaché de presse. Mais j'ai dit, mais j'ai envie de lui dire, mais on ne peut pas parler maintenant. Tu me prends pour qui? Je vais te dire, ça va? Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le jeu vidéo, sauf avec Hideo Kojima et d'autres. C'est-à-dire, dans le jeu vidéo, tu peux aller voir le boss de BioWare, tu peux aller voir, je sais pas quoi, enfin, toi, n'importe qui de grosse boîte, le boss de Naughty Dog ou le directeur créatif de Arkham, tu vas le voir, David Ego. Directeur créatif d'Arkham, de Batman Arkham, tu dis, tu peux parler, mec? Il dit, bah, viens, et je t'invite, on se fait une raclette. Franchement, les mecs sont comme ça dans le jeu vidéo. Et ce que je ne veux pas, c'est que demain, quand t'as un petit fibrotique de merde ou des mecs qui font des jeux indés, qui disent, parce que Christophe Gans, c'est pas un réalisateur de merde, mais il a fait des jeux, il a fait des films plutôt de genre, donc on va dire, on est plutôt dans l'ordre de l'indépendant. Je veux pas que demain, tu vois un pseudo-fibrotique, ah, tu veux qu'on se parle? Parle à mon attaché de presse, elle va te trouver un rendez-vous dans le mois qui vient. Tu vois, j'ai pas envie que ce soit un truc de connard, tu vois, comme ça. Et je voudrais que ça ne change pas trop. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, il y a les Pégases dont j'ai parlé qui sont une sorte d'Oscar du jeu vidéo. Et moi, ma crainte, c'était de starifier un petit peu les gens. Alors, il faut les starifier, mais pas trop. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une juste mesure. Donc, le monde de production de jeux vidéo, ouais, je regarderai ça. Non, mais c'est ça. Et donc, non, je suis pas rien contre. Non, mais je dis pas Gans ou autre chose, mais ce que je veux dire, bah, ça peut changer ou pas. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Et peut-être ça sera jamais le cas. Par exemple, en fait, il y a une raison pour laquelle ce sera jamais le cas, et je vais vous la donner. C'est que Ubisoft, par exemple, on peut citer des personnes connues chez Ubisoft, Reynal par exemple, tu vois. Mais en vrai, on connaît pas grand monde chez Ubisoft. Ils sont 17 000. On connaît pas grand monde et ça c'est un peu à dessein. C'est-à-dire que on veut pas de personnalité saillante parce qu'on est dans des processus avec des talents. Tu vois, on n'est pas dans des personnalités parce que qui dit personnalité dit à terme melon et dit à terme aussi et ça c'est un risque. C'est-à-dire si tu te sens trop fort, trop puissant, trop indépendant, trop libre, ben finalement tu vas quitter Ubisoft, tu vas faire tes propres trucs, tu vois. Et donc comme tu as ces géants-là qui ont tendance à un peu écraser les personnalités, il est possible que ce soit pas comme ça longtemps. Également, voilà, j'allais dire d'autres choses, mais c'est trop subjectif pour continuer. Donc il y a quand même un équilibre qui se fait, il est possible que ça se transforme pas comme le cinéma. Voilà. Alors, je pense pas que j'aurai 70 000 followers. Et Ansel, c'est bientôt terminé. Hein. Voilà. Et en plus, vous voyez, là, je fais un petit stream ce soir. Je suis à 260 personnes. Bon, après, il y a Koh-Lanta, j'imagine. Mais ça m'arrive de faire des mauvais streams. Après, je sais que vous aimez beaucoup Game of Thrones. Je sais pas quoi vous proposer trop en stream, sinon de parler avec vous. Et donc. Maintenant, Molineux, bah je le trouve intéressant. Je trouve qu'il a fait des choses intéressantes. Ouais, merci, c'est gentil de m'aimer. Ouais, j'aime bien l'amour. En tout cas, j'aimerais que. Je sais pas. Parfois, tout à l'heure, j'ai des avis ultra méchants en vue de mes productions. Parfois, j'ai une vision de moi en train de creuser dans de la boue et de faire des tas de boue. Tu vois. Je dis, bon, en fait, c'est tout ce que je fais. C'est des tas de boue. Et rien n'atteint la lumière, tu vois. Mais voilà, je sais pas trop. Je sais pas trop. J'essaie de faire des choses amusantes qui m'occupent la tête. Voilà.
D'accord. Ketuki me propose de proposer un jeu de rôle que je possède, que je et que je parle du lore, des règles, ouais, pourquoi pas. Non, j'avais pas de projet avec Christophe Gans. J'étais jury avec lui. Des Twitch Play GTA. Ouais, mais ça marche pas au niveau de l'audience. En fait, la seule façon de faire l'audience, c'est de continuer à streamer, mais 2021 va être une année de grands changements, je pense. Donc, je sais pas si je continuerai à streamer. Une libre antenne. Ouais, en fait, Ken m'a proposé ça. Je sais pas si, genre Ken et moi on discute, pourquoi pas. Est-ce que je vais voyager? Ouais, peut-être. Ah, ben, je suis content que ça te plaise, Rosemontard. Le JDR stream léché, je déteste ça. Je sais pas ce quoi tu parles. Ouais, non, bah en fait, Pasqua, la courbe d'audience des streams, elle est tout le temps comme ça. C'est-à-dire, par exemple, je vais dire aujourd'hui, je vais manger du papier toilette, je vais faire 800, et puis le lendemain, je vais faire 400 et ça va remonter, tu vois. Toujours, ça fait toujours comme ça. Donc, effectivement, les premiers streams JDR, ils étaient plutôt à 500, après c'était à 400, et après ça aurait remonté à 500 et ça aurait monté tout doucement. Mais bon, c'est. Pourquoi pas? Ne mangez pas de papier toilette. Il y a des gens qui font ça, c'est affreux. Ça vous rend malade. Ah, ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, moi, je suis. De toute façon, je suis plutôt. Moi, mes jeux de rôle. Déjà, je suis pas capable de le faire avec des comédiens parce que je suis moi-même un très mauvais acteur. Donc, la seule chose que je sais faire, par contre, c'est rebondir sur des histoires improvisées. Donc, ah, vous êtes gentil, Araignée. Merci, c'est gentil. Un livre dont vous êtes le héros avec un dessinateur en live. C'est marrant, mais c'est. En fait, il faut voir un truc, c'est que vous avez 20 ans, j'imagine, et quand on a 20 ans, on peut. Moi, j'ai toujours une blague à raconter, c'est quand on a 20 ans, on peut rêver d'être le roi du Siam, tu vois. Donc, tu peux dire, moi, je vais être roi du Siam ou président du Vietnam, parce que. En fait, à 20 ans, tu peux tout faire, mais moi, j'ai 42 ans, c'est-à-dire que moi, il faut que je choisisse bien mes projets, parce qu'aujourd'hui, si j'investis 5 ans dans un projet, là, j'ai investi 3 ans dans Game of Thrones, par exemple. Mais si j'investis 5 ans dans un projet, eh ben enfin, il me reste plus que 10 projets comme ça, tu vois, à faire. Donc, ou même plus que 9. Donc, voilà, il faut bien choisir, c'est tout. Donc, c'est voilà. Les 30 approches dangereuses. L'armée des 200. Bah ouais. Il y a que Araignée du soir. Araignée du soir, elle a 21 ans, donc la vie est belle pour elle. Mais moi j'ai 42 ans. J'ai le double de son âge. Donc, 20 ans fois 2, vous avez tous 40 ans en fait. Je devrais faire le stream des quarantenaires alors. Mais le stream des quarantenaires un peu paumé, mais les quarantenaires devant Twitch en fait. Ouais, bah aujourd'hui, investir dans un projet, c'est clairement renoncer à d'autres, effectivement. Ouais. 1000 projets, c'est plutôt 10 000 pour en faire un. Ouais, on va augmenter l'espérance de vie encore. Ouais. Ah, ma Rolex. Wow. Non, là, alors privilège de riche. Alors, je suis riche de manger des pâtes, hein. Mais j'ai ni envie, j'ai pas envie d'acheter une Rolex. Quoi. Enfin, c'est pas mon problème. Je m'en fous en fait. Faire un livre en lire. Ah. On sera dans des Android. Non, il y a un truc que je vais faire, c'est sûr, en 2021. À un moment, c'est prévu ça. Alors, je vous en parle comme c'était important, mais je ferai ça un seul soir. Donc, soyez là, je vais me mettre tout nu. Non, c'est pas vrai. Je vais faire un seul soir et je vais faire une fiction audio en direct qui durera un soir. Ouais. Non, mais alors, moi, si j'achète une montre. J'aimerais une montre obscène, c'est-à-dire genre une montre en or déjà, absolument, enfin pas en or, en doré, en plaqué, et il faudrait qu'elle ait plein de petits cadrans, et les cadrans tourneraient à toute vitesse, tu vois, ce serait marrant, bah, un truc bizarre.
Fiction audio tout nu. Bah ça se trouve là en fait j'ai pas de pantalon hein, ce soir. Et ouais, une fiction audio. Les fictions audio par exemple en ce moment là j'en fais des bonnes. J'ai la chance de travailler avec des gens ultra talentueux. Et en fait en fiction audio je suis au top. C'est-à-dire que je rêvais de faire de la fiction audio et j'en fais aujourd'hui. Je produis de la fiction audio au top du top. Dans un contexte incroyable, c'est-à-dire on est sur le label qualité, on fait 8000 écoutes, c'est le deuxième truc le plus écouté après Game of Thrones. Je travaille, pour moi, j'ai des conditions de travail absolument hyper simples. C'est-à-dire je livre un script, il est fait, on ne discute même pas, et c'est fait par des gens ultra talentueux. Et j'ai envie de dire, so what, ça y est, je l'ai fait. Ouais. Merci Rogamot, ça me fait plaisir. Non mais c'est terminé la fiction. Ah la fiction que je ferai le soir, je peux pas vous la raconter. Mais ce sera une fiction étonnante, je vous promets. Peut-on couper la vulgarisation scientifique et le JDR ou c'est une perte de temps? Tout à fait, on peut le faire, mais il faut bien le faire. Tu vois? On peut tout faire, un peu comme dans le sexe. Tu peux tout faire, mais il faut bien le faire. Et si tu veux voir un bon exemple de ça, je t'invite à écouter Studio 404 JDR. On en a fait deux, mais écoute le premier. Et c'est pas de la vulga scientifique. Mais c'est de la prospective tech. Et donc, à l'écoute de ça, tu vas tout de suite comprendre comment ça pourrait être en vulga scientifique. Est-ce qu'on aura le droit à la fin de Game of Thrones 1979? Non. Ce qui est surprenant dans les fictions, c'est qu'elles sont très hétérogènes. Et oui, parce que dans la vie, j'aime deux choses, la science-fiction et l'humour. Donc, j'avance, je passe de l'un à l'autre. Et si vous voulez vraiment que je fasse ma drama queen artiste maudit, je vais vous dire autre chose, c'est que. Je suis quelqu'un de profondément mélancolique et triste. Et il n'y a que trois choses qui me sauvent de ça. Et je pourrais dire qu'il y a le sexe, mais bon. Les trois choses sont écrire de la science-fiction, faire des blagues et ou des farces, n'est-ce pas? Salut Kratu. Et donc de l'humour et travailler. Voilà. Je devrais faire du stand-up. Voilà. Je suis pas. Les farces. Ah, j'aime bien les farces. Salut, Nonon le Riri. C'est ce soir, ça, les farces? Donc, je sais pas. J'aimerais tellement avoir la bonne idée et pouvoir la faire, tu vois. J'aimerais tellement comment être dans le ikigai, là, de j'aime faire, je sais faire, le public attend ça et j'ai les moyens de le faire. Mais c'est pas trop ça en ce moment. J'ai beaucoup de projets qui meurent et c'est un peu dur. Ah, merci. Bah, voilà là, je vais de bonne surprise en bonne surprise. Voilà. Faut faire attention, par contre, faut sauvegarder souvent parce qu'il y a des problèmes de sauvegarde, des bugs de sauvegarde. Écrire pour des humoristes, t'as jamais tenté? Oui, pourquoi pas. Ouais. Bah, en fait, faut pas trop t'imaginer que c'est le jeu du siècle, sinon tu vas être déçu forcément, mais. J'ai été ingé, j'ai même travaillé sur des silos à missiles nucléaires. Ingénieur bâtiment. Humour et science-fiction. Ouais, j'ai fait des trucs drôles en science-fiction. Je t'invite à écouter le voyage de 1000 ans. 1000 ans que j'ai fait en podcast sur Projet Abandonné. Faire du wargame pour l'armée. Ah bah François Courtis, il y a un truc que j'aimerais faire, j'en ai déjà parlé. Mais d'ailleurs tu pourrais le faire, ça te plairait je pense. L'armée française, elle recrute une red team. C'est des écrivains de SF qui font de la prospective pour l'armée. J'étais hyper tenté de le faire. C'est-à-dire j'avais voulu me postuler pour intégrer. Donc c'est tu rentres dans l'armée et t'écris toute la journée des scénarios de science-fiction catastrophe qui pour permettre à l'armée de se documenter. Et le problème c'est que... En gros, tu es payé, à mon avis, pas énormément, puisque tu es à l'armée, et tu es payé pour des trucs qui seront lits par un mec qui va tamponner, et ça sera jamais publié, et ça me fait chier. J'aime bien être lu par beaucoup de gens quand même. Donc, comment je suis venu à changer quoi? Du bâtiment à la fiction? Bah moi j'ai toujours voulu... Salut Junko, j'ai toujours voulu faire de la fiction, parce que j'aime les histoires. Moi, j'aimais les Conquérants de l'Impossible, les Mystérieuses Cités d'Or, Monkey Island, tu vois, ça me faisait rêver. Moi, ça m'évadait de. Enfin, tu vois, je sais pas, j'étais un enfant plutôt seul voilà, je m'inventais des histoires.
Et il y avait ce métier qui était de tu écris des histoires et tu payais. Mais les métiers de la fiction sont très mal présentés au grand public. C'est-à-dire qu'on te vend un rêve, puisque tout est mensonge, on te vend le rêve de je suis un écrivain, genre Michel Bussy, tu vois, je suis un écrivain, j'ai des idées et elles sont publiées et je suis l'auteur aux 2 millions de ventes et j'ai des portraits de moi en 4x3 et c'est comme ça. Alors ça ne se passe pas du tout comme ça en fait. Donc une grande partie du métier d'écrivain de fiction consiste à comprendre comment ça marche, quels sont les besoins et tout ça. Bah voilà, très bien. Bah, la Red Team, ça aurait été un projet, ça m'aurait fait plaisir, mais voilà. Mon rapport à la notoriété, c'est ultra utile. Là, par contre, tu vois, enfin, j'essaie de pas trop y penser, mais en un an, sur Twitter, je suis passé de 48 000 abos à 49 100 abos. C'est-à-dire, je gagnais 1 100 abos. C'est très très peu. C'est vraiment une catastrophe. Mais je m'en fous. Alors, comme je l'ai souvent dit dans mes podcasts, le secret pour être libre. Alors, désolé Kratu, hein, mais il faut pas se marier, avoir des enfants. Tu peux être libre quand même, mais c'est compliqué. Mais le vrai secret pour être libre. Par exemple, là, j'ai 42 ans. Et je suis locataire. C'est-à-dire que je suis locataire. Je sais pas si vous vous rendez compte, quand tu es ingénieur et locataire à 42 ans, c'est que tu es limite SDF. Mais ouais, le secret que j'ai pas encore dit, le secret c'est le suivant. C'est toujours avoir 6 mois de salaire, 6 mois de vie sur ton compte en banque. Sécurisé. C'est-à-dire que moi j'ai toujours, sauf à un moment de ma vie où c'était juste avant la sortie d'Outdoor où j'avais vraiment des problèmes, j'ai toujours eu 6 mois sécurisés de vie sur mon compte. Ce qui fait que si j'ai un problème, genre une pandémie, bah, je peux tenir 6 mois. Et si demain je bosse chez quelqu'un, un patron et que c'est un gros con, je vais pas manœuvrer pour qu'il me vire à une rupture conventionnelle, ça. Je dis ciao, je me casse, bye bye. Ouais, bah. Ah, je démissionne, donc je touche pas le chômage. Je m'en fous, voilà. Ça c'est et ça je peux te dire, mec, c'est tellement bien quand tu peux le faire. Mais effectivement, bah, 6 mois au moins, bien sûr, ça c'est sûr. Bah ouais, en fait, j'avais besoin de followers au début, mais aujourd'hui, Twitter, c'est quand même différent. Bah, alors, Georges, c'est marrant parce que Georges, tu dis, on est loin de 404 ou de podcast avec Tavo, j'allais chercher des followers avec des gens, parce qu'à l'époque, tout se jouait sur Twitter. Aujourd'hui, Twitter, il n'y a que des vieux, et j'ai envie de dire, en gros, tous les mecs de Facebook qui sont vraiment pas des vieux vieux, ils ont migré sur Twitter. Tous les gens de Tumblr qui étaient des militants, ils ont migré sur Twitter. Et aujourd'hui, les cool guys de Twitter, ils sont sur Twitch. Et par contre, je sais pas si tu remarques, Georges, tous les soirs je stream, tous les soirs je parle, et tous les soirs je dis n'importe quoi. Tout ça pour qu'il y ait, allez les followers, venez les followers, tu vois. Donc c'est un peu différent, quoi. Voilà. Bah oui, cette astuce n'est pas facile, voilà, ça c'est sûr. Bah tu vois, Ketuki le fait un petit peu, mais ça c'est sûr. Bah oui, ça c'est. Mais par contre, c'est beaucoup de sacrifices. Et aussi, l'air de rien, c'est que. En fait, l'avantage, c'est que juste au lieu de stresser. Quand tu dis j'ai plus de solution, effectivement tu stresses à 6 mois de. Enfin, t'as 6 mois pour stresser. T'as 6 mois pour trouver une solution. 6 mois, c'est bien pour moi. Non, donc je dévoile tout sur Webedia. Non, je ferai pas ça. Je ferai ça et je vais vous dire quelque chose. Webedia, c'est vraiment des cool guys. Ils sont pas aimés parce qu'à un moment, Webedia, ils ont viré des gens, tu vois. Mais en vrai, ils ont surtout donné la chance à des gens. Ça, c'est important. Je suis content de. Je suis content que vous trouviez votre bonheur dans ce que je dis. Ce que je veux, c'est. Surtout, en fait, je veux pas que vous soyez méchants, quoi. J'ai pas besoin de méchanceté dans ma vie. Que 80 des citations de réseaux sociaux dans la recherche et de Twitter. Ouais, moi, d'expérience, aujourd'hui. Je suis pas. Comment dire? C'est. Il fut un temps, il y a 5 ans,
J'avais toutes les semaines, voire deux fois par semaine, un contrat qui arrivait via Twitter. Un mec qui dit, vas-y, tu cherches un job, tout ça. Effectivement, si demain je dis sur Twitter, je cherche un job, je pense que ça va tomber. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, les nouveaux réseaux, je suis désolé, hein, c'est Discord, ça marche bien. C'est Twitch, ça marche bien. Les gens m'appellent en disant, j'ai vu ton Twitch, et il y a ça à faire. Et voilà, exemple concret. J'ai reçu aujourd'hui un SMS d'un mec qui a dit, ah, j'ai retrouvé ta carte. J'ai vu ton Twitch l'autre jour, tu disais, t'avais besoin, tu cherchais du job, ben j'ai un job pour toi. Et voilà, donc ça, tu vois, ça c'est concret. On voit le shift du truc. Ouais, mais Twitter, c'est vraiment, putain, des fois, je vois, alors, tout dépend de qui tu follow, mais vraiment, Twitter, pour moi, comme Twitter, j'y étais à 30 ans, et maintenant j'y suis et j'ai 40 ans, et vraiment, les gens, ils ont vieilli avec moi, ils ont 40 balais, les mecs, maintenant. C'est compliqué, hein. Ouais, je vais pas dire du mal des gens. Ouais, je stream aux chiottes là. Je vais bientôt tirer la chasse. Le mec lambda, il est pas sur Twitter. Ouais. Michel dans la Creuse, il s'en fout de Twitter. Alors, j'ai le projet de prendre un fond vert, promis. Promis, je vais prendre un fond vert. Bon. En fait, je me sens pas très bien ce soir, mais j'aurais bien aimé parler avec vous, mais demain, je me lève à 6 h du matin. Donc, on va faire quelque chose que je ne fais pas habituellement. C'est on va raid un petit gars qui s'appelle Terrylair, qui joue à un jeu vidéo qui s'appelle Wheels of Aurelia. Et Wheels of Aurelia, ça aurait été un jeu que j'aurais adoré qu'il soit bien, mais il n'est pas bien. Mais j'aurais que vous le regardiez quand même. Je vous le pitch juste, ce jeu. Il est trop mignon. Vous êtes une femme dans les années 70, qui s'appelle Francesca, je crois. Ah non, Aurélia, autant pour Aurélia. Et vous êtes à bord d'une voiture, et vous êtes une voiture décapotable, et vous prenez des autostoppeurs, et vous vous baladez. C'est l'Italie, et c'est beau, et c'est voilà, de bons moments. Donc, je vous souhaite de passer de bons moments. Alors, Terrylair, c'est un très grand créateur qui manque un peu de confiance en lui. Il a fait Saut de Canton, qui est un très bon jeu. Et je rêve de travailler avec lui, mais c'est un peu une star inaccessible. Donc, j'espère qu'un jour, on fera quand même des choses ensemble. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous remercie d'avoir été avec moi et d'avoir eu la patience de toutes mes bêtises. Je vais aller me laver les dents et dormir.